sortez que je trouve que vous avez mis. Est-ce que moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le collector de Far Cry 4. Donc au début ma mère a été le chercher, puis en fait ils se sont carrément trompés, ils m'ont donné lui de PS4. Je sais pas pourquoi il s'est trompé, c'est écrit ici. Donc sûrement quelqu'un d'autre a reçu lui à la place. Et puis en fait les collants sont décollés, ils le recollaient après, mais j'espère que l'intérieur n'a rien changé. Ça me ferait énormément chier, c'est pas grand chose, mais quand même ça me ferait chier. Donc on va essayer de l'ouvrir. C'est très lourd, je sais pas pourquoi. On va juste tac, comme d'habitude. Là je vais essayer de mieux cadrer les choses. Donc je crois que vous allez le voir comme ça. Ça se peut que vous ne me voyez pas la tête, ça c'est bien normal. Donc voilà, un poster, une statuette, un espèce de livre et une map. Puis un arbre de plus et trois missions, je crois, de plus. Bref, on verra. Donc voilà. Donc, j'ai un peu regardé l'ouverture de la boîte, mais juste un clé d'œil, mais sérieusement, je sais même pas comment ça s'ouvre. Oui, ici. Oui, je crois. Ah, ok, aucune idée, merde. Ah, j'ai comme ça. Parce qu'il y a un tiroir ici. Attendez, on va regarder comme ça, je crois. Oui, ok, donc, je crois que c'est comme ça. Désolé pour ce son en arrière. Voilà, je suis dans ma maison normale. Ok, oh putain, attendez, on va juste... Tasser la lumière, j'espère pas que ça va être devant lui, si vous m'entendez. Oh oui, bon ça j'avais vu, c'est un espèce de paysage, je vais vous montrer après. Holy shit, ok. Oui. Tac. Voilà. Je vais juste mettre ça là. Tac. Voilà, donc il y a, ok, il y a le couvercle en tout. Très très bien faite la boîte, sérieusement. Wow. Tac, je vais mettre comme ça. Tac. Ça s'ouvre-tu? Je crois pas, non. Non, je crois vraiment pas. À moins que peut-être. Puis que je le sache pas. Bref, je sais pas si vous le voyez. Bref, super belle. Wow. C'est fou. Voilà. On va. Excusez si le unboxing est très mal fait. Parce qu'en même temps, il faut que je me dépêche pour que je parte après. Bref. Voilà. Il est du bon côté. Bon, le tiroir, ça aussi, très bien fait. Rien dans le fond. Ok, ça tiendra pas. Comme cela. Donc, on va commencer par le jeu. Le jeu. Tac. Voilà. Far Cry 4. Pas grand chose d'autre. Voilà. Ensuite. Oh. Tiens, le cahier, on va l'ouvrir. Oh là là. Oh shit. Ouais. Bon, super cool, regardez. Tac, avec une petite épée. Ben, une épée, c'est pas une épée vraiment, c'est un couteau. Wow, très bien fait. On va l'ouvrir. Facile à ouvrir. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans par contre. Sérieusement, je pense que c'est un carnet. Ouais, c'est. Oh. Ok, c'est un carnet avec des pages blanches. Donc, ouais, ben, je pense qu'il allait avoir des lignes. Ah, oh, ok, non. Ok, il y a des petits dessins en haut de chaque. Il y a toujours des dessins. Oh, ça c'est quand même cool. Moi, ça vraiment très très content. Très bien fait. Super cool. Tac, on va refermer ça. Donc ici, oh yes. On a la map. Ok, good. Ok, good, ouais. Je pensais qu'elle allait être super grande. En carton, des fois, il y en a des grandes. Mais en fait, en longueur. Super. Regardez. Qui est là?
Voilà. Il n'y a pas grand chose, il y a un petit peu une légende pour savoir tous les trucs. Voilà, une carte normale. On va faire là. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose? Un petit? Je crois pas. On sait jamais. Non, il y a. Tac, on a eu ça. Tac. Et maintenant, un poster. Bon, le poster, il est pas. Voilà, il est un petit peu bizarre, mais bon. C'est. Ah, il. Ok, je pensais qu'il allait être super grand. Oh yes, il est petit. Vraiment, à quelque part. Ouais. C'est un espèce de. Je sais pas c'est quoi en fait. Un chinois qui déchire un poster. Aucune idée de c'est quoi, ça me demande moi le pas. Aucune idée. Bref, super cool. On va en faire de plus dans la collection. Comment on ferme ce merde? Moi et les posters. Ensuite. Oh là là, ok. C'est 20 cm supposément. 20 cm, mais ouais, environ. Ah ah, c'est ça qui était présent. Ok. Bon. Oh, ok. What the fuck? Ok, bon. Oui. Donc, la statue. Super très bien fait. Super très bien fait. Je vous le dis, bref. Et en arrière, qu'est-ce qui est cool? Je sais pas à quoi ça sert en fait. Cool? Non, je pense pas. Non, ça m'a rien. D'accord. Une petite boîte. Voilà, super. Donc voilà. Voilà pour cet unboxing. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je croyais que j'allais plus l'aimer que lui de Assassin's Creed, mais on s'entend que lui d'Assassin's Creed, il y a beaucoup plus de choses. Mais sinon, ça reste un très bon collector, sérieusement, je suis très satisfait. Donc voilà. Sinon, moi, je vous invite à liker ma page Facebook, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, voilà, donc je vous dis... À la prochaine, allez, ciao ciao!